OK. Bien, bonjour. Bienvenue au cours d'aquarelle Coucher de soleil. Je me présente. Alors, moi, je suis Céline Gauthier. J'ai été enseignante longtemps en art visuel et en théâtre, etc., etc. Parce que quand on est dans l'enseignement, on est toujours prêt à enseigner autre chose, comme des cours de français. Peu importe. Alors, c'est ça. Donc, vraiment, le cours, c'est pour débutants. Mais si on en a déjà fait, bien, on va pouvoir approfondir nos connaissances. Et puis, en même temps, bien, se détendre, puis faire des exercices et puis apprendre des choses. Alors, on y va avec notre œuvre de coucher de soleil sur ce papier ici. Alors, vous avez un côté qui est plus lisse et un côté qui est plus texturé. Donc, je vous recommande encore là de prendre le côté texturé. Et j'ai mis les étapes ici, comme ça, ça nous simplifie la vie. Ça, c'est une photo que j'ai prise qui m'a inspiré l'œuvre. J'aimais le violet dans le ciel, puis que l'eau était violet, puis que les montagnes étaient violettes, puis j'avais rarement vu ça. La photo n'est pas fantastique, sauf que j'ai pris ma photo une fois que le soleil était couché. Puis là, moi, je voulais voir le soleil ici. Fait que là, c'est pour ça que je laisse du blanc dans ma photo, dans mon œuvre. OK? Alors, donc, puis moi, je suis allée avec les couleurs qui m'ont été inspirées. Maintenant, j'aurais pu mettre encore plus d'oranger parce qu'il y a quand même, tu sais, il y a quand même du oranger à des endroits qu'on voit là. Mais à chaque fois que je la fais, elle est différente. Là. Fait que la vie de la vôtre, elle va être différente aussi. Vous allez donc tracer une ligne, puis comme vous regardez, comme vous voyez, c'est dans le premier tiers du bas. Là, il y a cette parcelle de terre là qui arrive. Donc, tracer légèrement avec le crayon, créer cette parcelle de terre-là, et dans le dernier tiers, vous pouvez placer devant celle-ci, avec la pointe ici qui arrive devant, puis vous placez une deuxième parcelle de terre. Quand c'est plus proche, c'est plus gros. La loi de la perspective, les lois de perspective nous disent que si c'est plus proche, c'est plus gros et c'est plus foncé. Si c'est plus loin, c'est plus petit et c'est plus pâle. Donc, c'est pour ça que la parcelle plus loin semble un peu plus petite. La parcelle plus près nous semble un peu plus grande. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler avec mouillé sur mouillé. Donc, on va prendre notre pinceau mouillé et on va mouiller le haut, c'est-à-dire on va mouiller le ciel de notre œuvre. Mouillé avec le gros pinceau ou un pinceau que vous avez. Juste mouiller sans couleur. Mouiller le haut, la partie du haut. Vous appliquez de l'eau. Et quand on va appliquer le jaune, qui est la prochaine étape, il va falloir penser à nos blancs. Réserver les blancs. OK? Alors, on ne mettra pas de peinture jaune ici, là. OK? Puis qu'est-ce qu'il faut faire? C'est en laisser plus, quitte à ce qu'on remplisse après. C'est-à-dire, on va laisser plus de blanc possible, OK? Alors, ensuite, avec le jaune, on trempe dans le jaune. Moi, je vais dans le jaune qui est le plus pâle. Je mets de l'eau et j'essaie de remplir un peu comme le haut de ce côté-ci de l'œuf ou la parcelle plus loin. Ici, au milieu, je traverse. OK? Alors, essayez de faire à peu près comme ça ou comme vous voulez, là. Pourquoi j'en ai pas mis trop ici? C'est parce que là, je vais aller avec du rose puis du violet. Puis s'il y a du jaune en dessous, ça pourrait tirer vers le brun. Fait qu'il faut faire attention parce que c'est deux couleurs complémentaires. Si c'était pas des couleurs complémentaires, ça serait moins important. Maintenant, on va aller dans du rose pâle. Donc, vous pouvez commencer avec le rose le plus pâle pour l'instant. Donc, votre rose à côté du blanc. Puis, on va trouver des régions où est-ce qu'on veut le rose. Alors, ici en haut, dans le coin gauche pour moi, là, pour vous, quand vous c'est à droite quand vous regardez. Alors, le coin à droite, ici en bas dans les coins. Souvent, on va partir la couleur des coins, puis on va la rentrer, tu sais, parce que c'est un paysage. Hein, on travaille beaucoup de façon horizontale. Donc, on a commencé à mettre du rose pâle. Et on va passer à la prochaine étape, où est-ce qu'on va en dessous
aller chercher un rose plus foncé, donc le rose à côté du orange, c'est un bon ça. Et on va le diluer par contre parce que le rose à côté du orange, on va aller chercher comme la teinte pâle ou entre les deux, moyenne et pâle, tu sais, ici là. On fait des nuages, alors des fois on peut comme bouger un peu notre pinceau en l'étalant, c'est ça, tu sais, faire un petit peu... Puis vous créez votre ciel comme ça. Après qu'on a mis du rose, un peu plus foncé, on va aller à la prochaine étape. Alors, on va placer le violet sur notre parcelle qui est plus éloignée. Puis là, notre ciel va sécher un peu pendant qu'on va appliquer ça. On va appliquer du rose ici à l'avant, devant la parcelle. On va aussi appliquer un peu plus de rose, plus vibrant dans le ciel. On va aller essayer de s'en mettre. Puis ce qui est dans le ciel, des fois on le répète aussi dans le bas un peu. Toujours moins, mais des fois dans... Moi, ma photo, là, c'était juste violet l'eau. Fait que je me suis amusée. Fait que c'est ça que vous faites, là, vous vous amusez. Alors, on y va avec le violet pour notre montagne de fond. Pas trop d'eau pour celui-là. C'est possible qu'on ait besoin de mettre une deuxième couche à un moment donné. Vous avez deux violets. Vous avez un violet qui est plus bleu, plus froid, puis vous avez un violet qui est plus chaud. OK? Donc, c'est comme vous voulez. Vous pouvez même mélanger les deux si jamais ça vous tente. Aussi, quand on veut faire des lignes droites, on peut tirer son pinceau. Donc, on place son pinceau, puis on le tire. On le glisse. Ça nous aide à faire des lignes qui sont droites. Puis pour la montagne, moi, j'aime ça utiliser la pointe de mon pinceau pour suivre la ligne. Ensuite, on remplit. Puis là, il va y avoir des endroits où il va y avoir plus de peinture, des endroits où il va y en avoir moins. Donc, ça va faire un peu de la texture. Puis on peut mettre une deuxième couche si on veut. On le trouve trop pâle, on veut le mettre un peu plus foncé, c'est correct. Donc, vous pouvez travailler encore, vous pouvez travailler quand c'est trempe, vous pouvez le retravailler quand c'est une fois que c'est sec, c'est comme vous voulez. Puis dans l'eau, on peut continuer avec un rose. Une fois que vous avez fini votre parcelle de terre, là, on peut travailler l'eau devant la parcelle de terre, mettre du rose, mais si vous voulez l'effet de lumière, si vous voulez l'effet de lumière ici, du soleil qui frappe, ben allez pas avec le rose jusque-là. Laissez du blanc. Parce qu'oubliez pas, le blanc, il faut le penser. Alors, vous mettez du rose ici, puis arrêtez. Mais ici, en avant, plus loin, là, vous pouvez continuer le rose un peu plus. OK? Mais laissez du blanc encore. Mettez pas tout de suite, parce que peut-être que vous allez vouloir laisser des reflets de blanc dans l'eau aussi. Alors, un rose moyen. Assez foncé. Un peu comme qu'est-ce qu'on venait de faire sur l'autre page. Diaporama. Diapo. Dans le ciel, on peut ajouter, après qu'on a mis dans notre eau. Dans l'eau, j'ai fait ça ici. Puis j'ai mis un peu de... Puis là, je vais ajouter dans le ciel un petit peu plus de rose encore. Puis là, je peux superposer ce rose-là par-dessus le rose que j'avais déjà. Je peux en mettre par-dessus mon rose, mon jaune, je veux dire. Donc, je peux superposer les couches. Puis si jamais vous trouvez que c'est foncé, vous le pâlissez direct. Vous pouvez enlever avec le mouchoir. Vous pouvez pâlir avec plus d'eau. Comme quand je prends mon rose, je passe, je l'applique. Là, ici, je passe par-dessus, il y en avait déjà, donc ça fait des couches. C'est ça qu'on appelle les glacis, c'est différentes couches. Puis ça fait un effet un peu différent. Donc là, on va aller avec la prochaine étape. Puis ce que j'ai fait, bien, je suis repassée un petit peu par-dessus du rose que j'avais mis.
OK? Je mets un peu de violet dans l'eau, toujours en gardant quand même un peu d'endroits qui sont blancs. Parce que juste qu'en ce moment, j'ai pas de violet dans mon eau, j'ai juste du rose et du blanc. Puis là, il faut que j'aille chercher du violet dans mon eau. Là, je sais pas si vous voyez la différence entre, mettons, celle-là et celle-là ici. On va faire la noire. Vous voyez, ici, j'ai mis une ombre qui est projetée dans l'eau. Alors, c'est peut-être quelque chose que je voulais essayer tantôt. Après qu'on a remis le noir, on va revenir encore avec du violet. Sinon, vous pouvez la laisser comme sur l'original aussi. Donc, il y a plus qu'une façon de faire. OK? Alors, est-ce que tout le monde a mis un peu de violet dans son eau en bas? Mm-hmm. Lydia, elle commence. Oui, toi aussi. Ah, tu vois, déjà, ça commence à être plus foncé, là. C'est bon. Ouais. On garde quelques petits endroits de blanc. Et on essaie de garder. Puis, toi, moi, je suis allée un petit peu loin. Puis là, je vais. OK. Fait que là, j'ai réparé en mettant un peu de violet devant mon rose parce que j'étais comme allée un petit peu trop loin avec mon violet. C'est correct, ça va être bon. Ça va. Je vais quand même avoir mon effet de lumière ici. Et là, on va ajouter. On va commencer avec le morceau de terre noire, la parcelle de terre noire. Ça va nous aider à placer nos éléments. Le noir est à côté du rose, hein, vous savez. Alors, avec un peu d'eau. On va remplir la parcelle. La parcelle de table. Et là, vous mettez le noir, là, comme on sait. Coucher de soleil, il est en contre-jour, hein? Ça arrive souvent qu'on a du noir, comme les choses apparaissent noires à cause du contre-jour du soleil. Le soleil est derrière, donc.